Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va réaliser un poulet à la semoule avec des légumes. Super rapide à faire. Je l'avais faite en fait plusieurs fois dans la semaine et les enfants ont tellement adoré, je me suis dit que j'allais quand même la filmer. Et franchement, c'est vrai que c'est tout bête. La semoule, on n'en cuisine pas souvent. Et ben, je vous encourage à en faire parce que c'est plutôt économique. Du coup, vous allez vous régaler, un plat copieux, réconfort, pas cher, c'est délicieux. Allez, toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Recette, on aura besoin de 150 g de petits pois congelés, à peu près aussi 150 g de poivrons. Je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, les poivrons ils sont congelés mais je les achète frais au marché, je les découpe, je les congèle pour gagner du temps, la preuve c'est top. Donc ensuite il faudra 3 filets de poulet que j'ai coupé en lanière. On aura besoin d'un oignon sec, là c'est des oignons nouveaux, j'en ai mis 2-3 petits, 2 gousses d'ail coupées en petits morceaux. Là, j'ai ajouté 2 champignons que j'ai coupés en lamelles. On aura besoin de semoule pour accompagner. Donc, je vais simplement de l'huile d'olive, du sel et mettre de l'eau chaude et avoir gonflé toute seule. Je me prends pas trop la tête. Là, c'est du basilic thaï que j'ai congelé. Pareil, que j'achète frais et que je congèle. Donc, il y a à peu près 20-25 feuilles et je les ai réduites en petits morceaux. Là, il y a 3 cuillères à soupe de concentré de tomate. Il faudra de l'huile d'olive, du sel, du poivre et une bonne cuillère à café de curcuma. Et voilà, c'est parti pour cette recette. Donc sur un feu vif, vous prenez une poêle, une grande sauteuse, on met un bon filet d'huile d'olive. Dans un premier temps, je vais faire dorer l'ail et l'oignon. J'ajoute un petit peu de sel tout de suite, comme ça, ça accélère la cuisson de l'oignon. Donc sur un feu vif, on surveille bien. Donc là, ça commence à dorer légèrement. Je vais ajouter le poulet. On sale. J'ajoute le poivre. Le poulet est bien tendre, il est cuit. Je vais ajouter le curcuma. Donc une bonne cuillère à café, vous pouvez en mettre plus ou moins. On va mélanger. Donc toujours sur un feu vif. Ensuite, je vais ajouter les champignons, les petits pois et les poivrons. Ensuite, je vais ajouter de l'eau chaude. Donc là, pour l'instant, j'ai mis 30 centilitres. On va voir après. Je vais rajouter 20. Donc du coup, ça sera un demi-litre d'eau. Parce que comme je vais faire de la semoule, je voudrais que ce soit un plat en sauce. Mais si vous souhaitez manger juste ça, comme limite comme un petit curry, mettez juste moins d'eau. Concentré de tomate. Pendant que je fais ça, mettez un gros pouce bleu pour m'encourager. Ensuite, je vais ajouter le basilic thaï. Donc, si vous n'en avez pas, vous sautez juste cette étape, hein, c'est pas grave. Là, je vais baisser le feu. Hop là, on va bien mélanger les herbes. Voilà, donc là je vais laisser mijoter une petite dizaine de minutes sur un feu doux, moyen. Et après voilà, c'est ultra rapide à faire, ça sera prêt.
La semoule, elle est prête. C'est bon. Il n'y a plus qu'à servir. Le repas est prêt. On va trop se régaler. C'est parfumé, c'est coloré. Voilà, il y a plein de légumes. C'est parfait. Avec la viande pour le midi, au top. Allez, dégustation. On va goûter. C'est fameux. Ah, franchement, c'est tout simple. Vous allez mais vous régaler. C'est trop bon. En tout cas, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !